Et bien voilà, une belle musique de fin ou de début. On va commencer. Ok, où est-ce qu'on en était? Bon, petite voix. Deuxième vidéo sur Dragon Quest 11, capturée sur Xbox Series X. Je ne sais pas ce que ça va donner en direct. C'est un test, en fait, ce que je fais. La suite de l'aventure. Vous pouvez voir ici, ça explique en gros ce qui s'est passé dans les étapes avant. On était à Héliodor avec Eric, un nouveau comparse qu'on a, en fait, on a fait la rencontre dans la prison. Il nous a aidé à nous évader. J'ai pas capturé cette partie-là parce que je voulais faire des tests. Alors, on a été dans la ville. Cette partie-là, vous l'avez en vidéo dans la chaîne. Et on a réussi, en fait, à aller voir notre ancien comparse, en fait, celui de Eric, qui avait supposément volé avec eux un rubis, une pierre, et ils ont arrangé les choses ensemble, et tout s'est bien passé. Si vous voulez voir la vidéo, regardez-la, je veux pas vous dire ce qui s'est passé dans cette vidéo. Là, maintenant, on est en route, en fait, avec Eric, pour de nouvelles aventures, et on va surtout se retrouver, en fait, avec le village où notre héros est venu au monde. On va faire un arrêt dans cet endroit-là. Je me souviens plus du nom, en fait. Je pense qu'on l'a. On va vous montrer ça. Oui, c'est ça. On passe par la Malgrove et on va aller à Cobaltin. Voilà, ça c'est le nom du village d'où il vient. C'est là que l'aventure a commencé, en fait. Le chargement entre chaque niveau, il est hyper rapide. Hey, salut toi! Non, on a regardé ça déjà, puis vous avez en général rien de bon au début du jeu. Je m'en fous. Visuellement, il est très beau. C'est un très 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 beau jeu. Oh. Ouais, mais pourquoi pas, on va essayer ça. On va se battre un peu. Bon. On va. Oui. Eric, tu commences à manquer de vie, toi. Moi avec, d'ailleurs. Attends une minute. Objet. Non, pas ça. Équipement. Une façon de... Une façon de guérir. Herbe curative. On est pas mal égal. Hein? Oh my. Ça va pas bien. Ça commence mal. Hein? Ben là, l'équipe est anéantie. Ça a l'air qu'on va revenir en arrière. Et on recommence depuis la dernière sauvegarde. Oh, j'ai perdu ça, moi. C'est chiant. Pour revenir à la vie, tu perds de l'argent.
Ah ben oui, dernière sauvegarde, c'était ici. Et on sort. Non, on ne veut pas aller par là, en fait. Ça, c'était... C'est l'endroit où on est arrivé, en fait, pour aller à la ville. On va aller plutôt de l'autre côté. Ah, mon Dieu, il va falloir que je le fasse... Ah, ça, c'est pas retourné à la ville, ça. Ah. C'est ça, le chemin, c'était pas retourné à la ville. L'autre côté, c'est pour retourner dans la forêt. Là. Pour montrer la map, en fait, c'est... Voilà. Colline d'Heliodore. C'est très joli sur une télévision en 4K naturellement avec le HDR et tout. La mangrove, ah ben oui, c'est bien. Puis j'ai une vision de chemin à faire. Ici, on se battait un peu. Bonjour. Vite la vie. Voilà. On sort. Ah, c'est ça, on le sort. Ha! Easy! Yeah, right. Voilà. Faut faire des combos de temps en temps. Si on fait pas de combos, on montre pas d'expérience. Notre expérience. Vous êtes quoi, vous autres? Oh non, ok. J'ai-tu envie de me battre? Oh, pas pour... Je sais pas si je vais le regretter, mais... Pas sûr. Ça, on nous secours. Ouais, les gars, si on a besoin. Bah, voilà. Another one bites the dust. Yeah, une chance était là parce que. Nice. Nice. Niveau. Son niveau est passé de 5 à 6. Ben bravo, Eric. 2 points de compétence obtenus, total 5.
Il me semble que je peux. Ouais, je peux mettre ça. J'ai aucune idée où est-ce qu'il faut que j'aille pour changer ça. J'ai même pas regardé, j'ai répondu. Bonjour la gang, on peut juste passer. Ça, c'est l'église, on s'est retrouvé un peu plus tôt. Il faut aller de ce coin-là, exact. De temps en temps parce que on peut avoir des choses qui brillent, ça veut dire qu'il faut les ramasser. La musique, je la trouve énervante. Oh, punaise! Bon, ben écoute, ça va être mon choix de se battre. Tactique. Tous. Sans pitié. Ça a été plus facile que je pensais. La souche a laissé un coffre tomber. Place le rameau rose dans le sac d'objets. Ben, c'est excellent. Non, non, non. Foutez-moi un peu, vous avez l'intention de me battre avec vous. Oui, à la vitesse à laquelle ça charge, on n'a même pas le temps de lire le texte. Rush, l'épice est bon. Herbe médicinale, pourquoi pas. Ça peut trop servir. Non, toi tu m'as. Tu m'as tué tantôt, fait que je veux rien savoir de toi. On va t'éviter. J'ai toujours détesté, honnêtement, ce genre de jeu où il faut du tour par tour et je suis pas mal. Là, c'est pas de surprise. Tu vois les personnages, tu peux les éviter. Alors que dans les anciens jeux de genre-là, hein, qui étaient un peu en 2D, je voudrais aller chercher ça, cette affaire-là. Ah, ouais. C'est ça, les anciens jeux, tu te promenais, mettons, dans un champ, puis là, ben, tu tombais dessus, de même. Tu pouvais pas l'éviter, il était là, dans ça. Alors, t'avais pas de contrôle, vraiment. Il fallait que tu te battes tout le temps. Honnêtement, c'était chiant. Ok, on va juste voir où ce qu'on s'en va. Fais attention, parce que des fois, il y en a qui nous arrivent dessus. Ok, on va aller là.
juste aller voir ce qu'il y a de bon. Oh! Vous êtes des méchants! Il n'y en a pas plus de méchants là-dedans. Quoi? Non, 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 non. On veut pas se battre. Donc, on peut pas venir par là. Si c'est le jeu, ma manette de ma série X, mais c'est la première fois qu'elle fait ça, le personnage avance tout seul. Alors j'aime pas tellement, ça m'a pas fait ça, c'est la première fois que ça m'a fait. L'embargo au campement. J'ai jeté un œil hier là-dessus. Le campement, c'est là où on peut se reposer. Il n'y a personne qui peut venir nous attaquer là. Et la bonne Saint-Anne, je ne sais pas comment on l'appelle, la petite statue, qui nous permet d'enregistrer en fait notre partie. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yeah, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the Fun-Size Forge. Pop a few raw materials on top, bash them with the porta-pounder, and Bob's your uncle. New equipment. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin, you name it, this... Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties. Bon. La transforge sert à fabriquer toutes sortes de pièces d'équipement en suivant les recettes qui utilisent les matériaux bruts récoltés au fil de votre aventure. Vous trouverez de nouvelles recettes dans les coffres au trésor ou sur les étagères et vous mettez la main sur les ingrédients nécessaires en battant des monstres ou en examinant des points lumineux. Ouais. Essayez de créer votre premier chef-d'œuvre avec la recette qu'Eric vient de vous donner. OK. Forger des armes. Forger les recettes apprises récemment. Épée de bronze, dague divine. Qu'est-ce que ça fait, ça? Minerai de cuivre. On n'a pas assez, je pense. Hein? Ouais, on peut pas les faire, non? Matériaux requis, minerai de cuivre. 2 de 5, 1 de 4. Ben oui, ça m'en prend, man. Faut
quoi ton problème? Tu me donnes de quoi puis je peux pas y faire? Ben oui, je veux bien, mais il me semble que tu me dis que j'en ai 2 sur 5. C'est quoi ça? Nécessaire. Ah non, nécessaire en possession. Ah, ben ok. Ok, qu'est-ce que je fais? Ça me donne quoi ça? Cette lame coupe tes rayonnements d'énergie sacrée, excelle dans l'extermination des adversaires morts vivants. En possession, j'en ai pas. Puis ça ici. On va faire ça. Ouais. Bon. Forger des objets n'a jamais été aussi simple. Sélectionner frapper pour commencer à travailler les ingrédients et fabriquer des objets. Puis terminer quand vous souhaitez arrêter. Frappez chaque zone individuelle à l'aide de votre transforme marteau pour remplir la jauge bleue située à côté et tenter de faire en sorte que chaque jauge se trouve dans la zone verte. Consultez les astuces de voyageurs pour de plus amples informations. Ok, frappez. Ah, j'ai dépensé. Évaluer. Bon. Coup de... Ouais, ok. 55. Wine. Terminé. Ouais. Ok. Deux perles du perfectionnisme. Ah ben. Vous recevez des perles du perfectionnisme chaque fois que vous parviendrez à forger une pièce d'équipement. Vous pouvez les utiliser pour tenter de retravailler un objet afin d'améliorer sa qualité. N'ayez pas peur de perdre le fruit de votre dur labeur. Même si vous n'arrivez pas à retravailler un objet, il ne sera pas perdu. Si vous réussissez en revanche, vous produirez quelque chose de vraiment spécial. Ben, écoute... Retravailler un objet. Ouais. Talisman. Bâton de cèpre. Casque de cuir. Épée de cubalté. Pourquoi pas on va essayer ça, là? Ben oui, on va essayer ça. Ok. Comment je fais pour aller dans les autres? Ok.
C'est pas grave. Dommage, ben oui, qu'est-ce que tu veux. Encore. Ah, oh, mais j'aurais dû m'en douter. Un temps qu'à te la scraper, moi, te la scraper d'aplomb. Ah oh, non, c'est après que je peux faire. OK! Ah, ben, mon Dieu, on apprend toujours. OK, mon Dieu. Voilà. Je viens de comprendre le processus. C'est ça quand tu vas aller trop vite. Félicitations. Ah ah. Deux perles. Ok, là on va recommencer l'autre tantôt. On va travailler. On va essayer. Ça, c'est elle que j'ai fait tantôt. Oui, on va le faire. Et on va retravailler les... Ah! On va arrêter ça là. On va... Je viens de comprendre comment ça marche. Voilà. Je pourrais... prends pas de chance. Évaluer. Si s'arrêtait, les pignons seraient sans doute très bonne facture. Ben écoute, terminé. Oui. Félicitations! Il a été retravaillé pour devenir une épée de cobaltin plus 2. Ben écoute, c'est super! Père le fun! Tu vois, il a son pouce dans les airs. Perle du perfectionniste du zéro. Bon, ben, je pense qu'on a assez niaisé sa forge. Ouais, 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 j'ai appris, j'ai fabriqué, je suis bien content. Voilà. Quand je m'en vais dans un campement, je peux sortir ma forge puis fabriquer des objets. Bon, on va sauvegarder parce que j'ai pas envie que. Une voix étrange, je les ai mis loin. On va sauvegarder ça. Sauvegarder sur celui-là. On va écraser ça. Ouais, jouer en mode 2D. Bon. C'est qu'on voit là. Une bouteille d'eau. Du silex, ah ben c'est bon, ça va nous servir. Et minerai de cuivre pour fabriquer des épées. Ah, bonjour, toi! Je reviens dans un instant.
Bon. Vous savez, quand vous avez un fils de 7 ans qui veut que vous veniez voir ce qu'il a fait. OK. Assez niaisé. On va aller regarder là-dedans. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant. Je crois qu'on a passé la nuit dehors. On va qu'il y a du stock ici. Ouvrage de coups, puis une couverture de la ville, le couvrant d'un morceau de papier de chevet. Bon, ben, ok, laisse-les voir. C'est quoi ça? Trouve une recette intitulée Parfait petit técaillé. Il le parcourt. Ah, des boucliers, puis des armures técaillé. Ah, ben, c'est bien. On aurait juste un peu. Je ne pourrais pas juste les fouiller au lieu de les péter. Ben. Ok, qu'est-ce que tu veux, chien? Tu veux me suivre? Ça semble qu'on s'est fait un ami. Ah, mon Dieu! Je suis censé aller où, moi, là-dedans, hein? Je suis là. Ça veut dire qu'il faut retourner là. Cabane du bûcheron. Région des Riodors, non? Colline des Riodors. Inspecter les environs de la cabane du bûcheron. Joli quand même comme jeu. C'est un jeu qui date de 2017. Il n'était jamais sorti sur Xbox, donc c'est quand même assez bien qu'il soit sorti là et qu'il soit disponible sur le Game Pass. Pour ceux qui ne connaissent pas le Game Pass, là, ben, c'est le temps de le connaître parce que honnêtement, c'est vraiment génial. On est arrivé au début du pont. Faut vraiment que je trouve un moyen de baisser la musique parce qu'elle m'énerve. Ah, cool. Si vous connaissez un moyen de descendre le son là-dedans. Chop around the clock. One, two, three. Look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. If I ever... Ta-da! You called? Tricky devil at your service! I went to a lot of trouble to smash up this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilish... Ben ouais, reste là. Ah ben, Colin, je viens de comprendre. Le chien, c'est le bonhomme qui s'est transformé. Tu parles d'une affaire, toi. You're a silly old woodcutter. The next minute, you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Il va falloir qu'on s'occupe de toi. À un moment donné. Bye, doggy. Stay. Treasure chest! I think I've just hit upon my most devilish trick yet!
What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. Ben ouais. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Dur à croire, hein? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Ben, une chance que tu es là pour me dire quoi. Ah, ben, écoute. Nécessaire pour passer une bonne situation, on s'en fout. Ok, j'essaie de trouver en fait la façon à transformer le catalogue de quêtes. J'aimerais couper le son. J'ai aucune idée comment faire dans les médias. Des jeux d'aventure comme ça, c'est que je peux te promener pendant bien longtemps avant de trouver la solution et tu l'as dans le bas. J'ose être la vache, c'est la vache. Là, c'est si tu m'en veux, la météo me réserve quand même. Tu fais comme ça, c'est pas mal bon, efficace. Thank you.
saluer. Amanda, bonjour. Paramètre de la caméra, d'accord. Non, tout est le marchand, tout a rien à dire. Bon, est-ce que on est là-bas? Ouais, mais là, je vais pas retourner là, moi. Bon, on va essayer de pas se faire buter. Je suis à 33, 48. Excellent. Ah! Es-tu drôle, lui? Bravissimo! C'est bon, malin. Tu as réussi, mon homme. Oups, un coffre. La louche, hein, la souche louche. Laisse tomber un coffre au trésor. De l'herbe médicinale. Bon, j'ai pas refait ça. Thank you.
peut-être. Ils sont-tu drôles? Check ça dormir, toi. Ah oui, il se guérit tout seul, là, c'est parfait. My God, c'est bien. Compétences. Je ne vais même pas aller. Attends, mais peut-être qu'il va me le demander. 2 points de compétences, c'est bon. Utilisez vos points de compétences maintenant. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc, j'en ai 2. Eric en a 5. Bon, Eric, mon ami Eric, où c'est qu'on va mettre ça? Épée, poignée, épée. Ouais, pourquoi pas. Et 4 points. OK. Poignard. Toi, t'en as 2 si je fais éclairer. On va faire ça. My God. Ouais. Bon, ben écoute, on va garder ça de même. Que ça. Voilà. Patadam, 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 patadam. Thank you.
problème avec ça, c'est les foutus arbres. On a tous les arbres dans la face. De petites choses que je connais pas sur le jeu, son comportement, puis, comme par exemple baisser le foutu son de la musique du final. Oh non, merci. Oh non, merci. Vous êtes compliqués des fois à voir, vous autres. Ok. Wouhou! Et plus, puis je t'embrassais. C'est bon. Je trouve du mauvais bord, je peux pas la regarder. Oh! Oh! Chapeau en pointe, à pointe. On va le vendre, parce que... pas sûr que ça va servir.
N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas fantastique? On perd la connexion parce que la pile est morte. Ça, c'est le bienfait des manettes pile non rechargeables. Si c'était une Sony, eh bien, j'aurais été bon pour m'arrêter de jouer simplement. Bon, ok. On trouve un monstre, je pense, bon. Allez, mon coco, viens-t'en ici. On dirait un papillon fleur, là. Je sais pas comment je peux t'appeler. Ok. Gros petit noble appareil. Tactique. Tous. Agir avec sagesse. C'est ça que je me disais, mais avec. C'est pas comme ça qu'on va réussir notre quête. Ok, j'ai compris. Marche, je pense. Salut, toi. Ok. Donc, tactique. Jouer avec sagesse. Oui. Les ordres. Bon. Let's do this. Combat. Taranite, sur vitesse, mode de combat. Sur caméra classique. Je pense qu'on touche encore. Alignement. Ah ben oui, c'est Calvarsco qui se déboule. Son chien. Il va se redéboubler encore. Je le tue avant. Ouais. Ben oui. Bon, c'est parfait. C'est des plantes médicinales. Excellent. Bon, bon, bon. Et bien là-dessus, on va s'y laisser. Ça fait déjà un petit moment. On va continuer notre... Oh non. Je pense qu'on va... Ah, on va aller chercher ça avant. Quelque chose là-bas qui intéresse. C'est ça le problème, là. Quand il continue, il n'arrête pas de laisser partir. Voilà. Et de temps en temps, c'est comme si la manette bloquait. On va aller à la colline, à l'église. On va aller sauvegarder. On peut sauvegarder ici.
Alors voilà, on va s'arrêter ici. Si vous avez aimé le petit bout d'aventure, eh bien, likez, abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce bleu, naturellement, qui nous aide énormément. On a énormément de travail pour populariser la chaîne. Beaucoup de jeux s'en viennent, alors s'il vous plaît, un petit effort, tout simple. Le petit pouce bleu, l'abonnement et la clochette. Et le partage si vous avez des amis, des réseaux sociaux et tout. Alors là-dessus, je vous souhaite une superbe, mais vraiment, vraiment, alors, superbe journée, un bon dimanche et faites attention au COVID. Au revoir.